pauvres. Je vais les rentrer à l'intérieur. Bon, les enfants. Ça va? Oui, madame. Nous allons vous présenter des nouveaux. Ils ne se sont pas encore réveillés, ils dorment encore. On est... Vous êtes à la souricière. C'est quoi ça? C'est leur manière de faire de l'argent. Je vais te dire un petit secret. Et moi, quand je suis arrivée ici, j'habitais dans un village pauvre. Ils ont tué ma famille et ils m'ont ramenée ici. Ah bon? Dans le fond, leur but, c'est tuer les enfants des familles pauvres pour les donner aux riches. Ah, c'est non. Est-ce que c'est normal que cet endroit me semble familier? Pas mon nom. Moi, c'est la première fois que je viens. Ça se peut que ça fasse 2 ou 3 fois, vu les vêtements avec les vêtements que tu portes, tu dois appartenir à une famille riche. Ouais. Ça va être génial. Ouais, on va te traiter aux petits soins. Hey, salut. Salut. T'es nouveau, hein? Ouais. Eh bien, je te conseille, touche pas à mes affaires. C'est un compliment. Je crois que c'est plutôt une menace. J'ai pas été élevée pour accepter les menaces. Par contre, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de souris, d'où le nom de la souricière. Exact, c'est le nom de la souricière et je suis la gérante. Ouais, et quand je vais être grande, je vais travailler ici. Ouais, moi aussi. Ouais, vous êtes bientôt grande maintenant. Bon, allez jouer dehors. Je vais faire mon boulot. Tous dehors. Ma petite gagnante amie, elle devrait tout sortir. Allez les souris, avec moi. Et tout le monde devrait sortir maintenant. J'arrive. Tout le monde devrait sortir. Je suis là. Vous êtes là. Je suis là. Qu'est-ce que tu fais? Bof, mais je me suis dit que j'allais enquiquiner les petites souris là. Ah, tu m'attendais, c'est ça? Depuis quand tu m'attends? Depuis maintenant. Je me suis dit que tu travailles en équipe, ça te fait pas de tort. Oui. Tu veux jouer? Bien sûr. Ok, les petites sœurs et les petites sœurs et les petits frères. Et où est la petite sœur qui se prend pour une fille? Pour une fille royale? Je suis là. Et t'as mené tes chips, hein? Ouais. Maintenant que vous êtes là, je pourrais plus jouer tout seul. J'aurais pu à jouer tout seul. Comment ça? À la souricière, on a le droit de jouer qu'avec... Les personnes qui sont de la même race que nous. Ça doit être triste, surtout quand vous vous détestez comme les hamsters. Les hamsters sont pas de réputation générale à détester les autres. Bon, non, par ici, on a appris à s'aimer. Mais maintenant que vous êtes là, je pourrais plus jouer tout seul. Après ça, je m'appelle Fromage. Pourquoi? Parce que j'aime le fromage. Ah bon. Les autres devraient sortir bientôt. Mes pauvres petits poissons. Des fois, c'est mon ami, mais... Il joue toujours tout seul. Des fois, j'ai pitié de lui. Ah, regardez, il est tout seul. Fusée, puis son ami, il arrive souvent qu'il enquiquine. Ça doit être triste. Souvent, j'apprends les bonnes manières, mais... Il n'en a pas assez d'enquiquiner les autres. Je sais pas pourquoi. Et toi, va voir ailleurs si j'y suis. Et voilà. Ouais, ça doit être triste la vie ici. Oui, c'est dur, surtout que c'est nous qui travaillons tout le temps. Ouais.
Quel genre de travail on fait? On fait la cuisine pour ces mouchetons. Les enfants désobéissants font la cuisine pour les deux propriétaires. C'est leur manière de faire de l'argent et d'économiser du temps. Ouais, et quand c'est le paradis, c'est seulement quand deux parents s'en, quand des parents s'en viennent pour nous adopter. Ils font comme s'ils n'avaient jamais rien fait. Oh, c'est tragique, j'ai hâte que quelqu'un arrive. Ouais, moi aussi, j'aimerais que quelqu'un soit là tout le temps. Je peux jouer avec toi, fromage? Oui, mais assure-toi que les deux surveillants ne te voient pas. Sinon, tu vas devoir aller faire des corvées de cuisine. Ou être cuisiné. Souvent, si l'animal est mangeable, on est souvent cuisiné quand on fait quelque chose de très grave et répétitif. Oh, j'ai pas envie d'être mangé, moi. Moi non plus. Je goûte pas bon. Oh, mais ils ont essayé de me cuisiner. Ils ont cuisiné ma sœur un jour parce qu'elle voulait faire une déclaration d'indépendance. Ils sont tombés malades. Ben, ta sœur est là-bas. J'en avais deux sœurs. Ouh. T'es mieux de te surveiller. Pourquoi? Il est du genre... attention, j'arrive. Attention, j'arrive. Mettez-vous à couvert. Tu comprends le genre? Oh, ouais. Ces gars-là, je les trouve sympas, moi. Je crois qu'il y a de l'amour dans l'air. Ouais. Bon, fromage. Oh, on est tellement de souris, là. Tu veux jouer avec moi? Bien sûr. Nous, on est chanceux. On peut jouer avec qui on veut. C'est vrai que les souris sont chanceuses. Ils peuvent jouer avec qui ils veulent. On dit que les souris, c'est souvent les chouchous. Parce qu'ils jouent avec tout ce qu'ils veulent. Avec tout le monde. Nous, on doit faire les corvées de cuisine. Quand eux, ils font quelque chose de mal, c'est pas grave. Ils mettent souvent tout sur le dos. Oh. Et une chance pour Fusée. Quand c'est Fusée, lui, il va être... Une chance qu'il n'est pas mangeable. On ne peut pas manger du chien, quand même. Sinon... Sinon, dites-le moi, je vais leur dire. Ils vont le manger, ça va être bien mieux pour ceux. Il a une mauvaise influence sur Chihuahua, mais c'est pour. Ça va être pour votre petit Chihuahua. Il va être tout seul. Oh. Venez, les amis. Oui, on arrive. Où est ta soeur? Je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Et les deux chefs? On est là. Il faut souvent se distancer, les souris viennent se... Les souris ont le droit de se placer où ils veulent. Et vous n'avez pas le droit d'entrer en contact? Non. Ni d'entendre ce qu'ils disent. C'est triste quand même. Les chiens n'ont pas le droit de parler avec les chats n'ont pas le droit de parler avec les chiens, et on n'a pas le droit de se fréquenter. On dirait l'apartheid vers 1980 en Afrique du Sud. C'est un peu comme ça. Les souris, c'est les blancs et nous, on est les noirs. On vit dans la pauvreté et eux, ils vivent dans le riche. Je m'ennuie de notre sœur. Ouais, moi aussi. Elle était la plus intelligente, mais la plus jeune. Elle est née 3 secondes avant moi. Oh, d'abord la plus vieille. T'es née 2 secondes après moi. Oh. Alors, c'est moi la plus jeune, et normalement, et bizarrement, c'est moi la plus grande. Bon, il va falloir aller dormir, il se fait tard.